Alors c'est en Irlande, dans le comté de Wicklow, à une heure de route au sud de Dublin, que va se dérouler cette chasse fin juillet, chasse aux pigeons. Alors vous allez me dire, il n'est pas tout à fait normal de chasser le pigeon au mois de juillet, mais il se trouve qu'en Irlande, le pigeon qui avait un statut de nuisible, et qui donc était chassé toute l'année, a depuis quelques années un statut maintenant de gibier. Et son ouverture a lieu au 1er juin, pour se terminer au 31 janvier. Il y a énormément de dégâts dans les cultures, au niveau des céréales, blé, orge, avoine, et au niveau des pois. Nous allons donc chasser avec Jean-Philippe Chompré et moi-même le pigeon à cette époque, sous une forme qu'on pratique peu en France, c'est-à-dire le poste en bordure de champ. Cet affût est fait avec des filets de camouflage, avec des branchages et éventuellement des ballots de paille. Le guide, le matin, repère les allées et venues des pigeons et choisit donc l'emplacement, le bon emplacement pour placer cet affût qui par ailleurs se trouve souvent sous un grand arbre. Alors, quels sont les calibres qui sont utilisés ? En principe, en Irlande, on utilise du calibre 12, du calibre 16, du calibre 20 et du calibre 36, c'est-à-dire du 410. Nous concernant, nous allons utiliser un calibre 20. Ce calibre sera chargé de munitions de marque Mariarm avec du plomb de 6. Point très très important, la météo, et je dirais que c'est ce qui va faire le succès ou pas de la chasse. La journée idéale pour une chasse aux pigeons, c'est une journée avec un ciel couvert, un petit peu de pluie éventuellement, ce qui fait des vols de pigeons plutôt bas. En principe, il est tiré entre 50 et 150 cartouches par jour. Pour les faire venir, des aplombs sont posés sur le champ. Ce sont en principe ce qu'on appelle des pigeons anglais, c'est-à-dire des pigeons qui sont creux et qui oscillent avec le vent. J'espère donc, après ce séjour et avec les images que je vais vous rapporter, vous donner un avis objectif de ce qu'est la chasse aux pigeons en Irlande. Bonjour, je m'appelle Paul Carberry et je dirige Kilranelagh Lodge, qui est un centre de chasse aux pigeons. Nous dirigeons cette entreprise depuis plus de 35 ans. Je l'ai reçu de mon père, qui était l'un des premiers à tirer le pigeon commercialement en Irlande. Nous sommes dans le très beau comté de Wicklow. Il y a de nombreuses rivières, montagnes et lacs. Il y a aussi beaucoup de bonnes terres agricoles sur lesquels nous tirons le pigeon. Nous organisons des groupes de 6 personnes habituellement, depuis le fin juin jusqu'à septembre, pour la saison principale, et nous tirons aussi en mars et avril sur les semences pour les fermes qui ont été semées. Nous organisons les séances de chasse probablement différemment des autres organisations, car nous nous occupons beaucoup de nos clients. Nous allons à la chasse avec eux, nous vérifions qu'ils reçoivent bien un sac d'aplomb, sinon nous changeons la position pour être sûr qu'ils profitent de leur journée au mieux. Cette saison a été très bonne jusqu'à maintenant. On voit beaucoup de pigeons. Ils bougent des champs cultivés aux champs moissonnés. Et nous aimons les tirer au-dessus des champs moissonnés, parce que c'est une façon de les prélever. Bien qu'ils abîment les champs cultivés, nous allons aussi près possible des endroits abîmés et nous tirons. Nous possédons à Kilranelagh Lodge 7 chambres dans le bâtiment principal. Les clients aiment ça et ils ont leur propre séjour salle à manger. Ma femme, Kathleen, s'occupe des repas et quelquefois nous envoyons les clients au pub local où ils prennent aussi des repas.
Moi qui organise les tirs et les aplombs. Je suis le guide principal, je vais avec les guides et les fusils moi-même tous les jours. J'installe les aplombs, je vérifie qu'ils fonctionnent avant de quitter le champ. En général, j'attends de voir si un ou deux oiseaux viennent avant de prendre la décision de continuer avec le chasseur suivant. Ça a toujours bien marché. J'ai une manière spéciale d'installer les leurres qui est différente des autres organisations. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais cela ne va sans dire que nous réussissons bien. Nous avons essayé toutes sortes de méthodes de leurres au fil des ans et nous avons choisi une méthode particulière qui est un secret de famille en quelque sorte. Thank you.
excellente journée. Et il a fait chaud à un moment. Et puis on nous a déplacés vers les 16 heures. Il y a notre voisin qui était à 400 mètres peut-être, qui lui a tiré beaucoup de cartouches, certainement entre 250 et 300. Et à chaque fois que des oiseaux se présentaient pour descendre sur notre place, paf, coup de fusil, les oiseaux partaient.